Pendant ce temps, sur la planète Cocrelus, le frère de Santa appelle à l'aide. Oui, grand Patchouli Klaus, nous sommes là. Autrefois, mon frère Santa et moi avions imaginé une grande fête de l'amour éternel pour tous. Avec de grandes blondes demi-vêtues, chevauchant des licornes, et il y avait du chant indien. Mais mon frère a tout détruit. C'est un chien du cœur, hein, lui. Un Santa m'a forcé à l'exil pour s'en mettre plein la maudite poche. Vengez-moi. Vous avez compris, le vieux. On va y mettre un ho-ho là. Nous voici au Pôle Nord pour notre reportage spécial sur les entreprises Noël Inc. Soit dit en passant, il fait très froid ici. Est-ce par souci d'économie? Allons demander au Père Noël lui-même. Père Noël, pourquoi avoir installé vos entreprises au Pôle Nord? Ah, c'est bien simple. Ici, il n'y a pas de taxes puis pas d'impôts. Mais la main d'œuvre là, au Pôle Nord, c'est pas un peu difficile à trouver, ça? Ben, voyons donc. C'est des sans-papiers, sous-payés. Ils peuvent pas sauver. Les Cocréliens partent en expédition punitive. Tire sur le break à bras. Bougez plus! Écoutez bien, les jeunes. Si vous me dites pas où est-ce qu'il est, votre Père Noël, vous allez souffrir très longtemps. Vous êtes mieux d'écouter. Où est le vieux capitaliste? On a une entente hors cours. J'ai pas le droit de répondre à cette question-là. Envoyez! Après les avoir menacés à l'huile de foie de morue, les enfants révélèrent la cachette de Santa Claus. Allez, Sœurette, fais vite! Sauvons-nous! Bienvenue au carnaval! Après l'horrible costume d'ours, arrive une matante robot. Viens donner un petit pic à ma tante! Ça vous apprendra, si m'en veux. Bon, envoyez la matante Stainless. La pâté est arrivée! Bisous! Moi, peut-être pouvoir les revendre comme nain de jardin si je mets une brouette. Tu penses toujours au cash, hein, mon gros Klaus? Ah, mon dieu! Ça fait 100 fois que je vous dis d'enlever vos bottes en rentrant, puis mettez des pantoufles en fentex, j'en ai tricoté. Ouais, puis ça vaut pour tout le monde, à part de toi. Depuis le temps que j'ai le goût de te le dire, tu veux savoir si t'as l'air grosse dans ta robe? Mais, hein! Peu importe de ça, tes pets de soeur sont pas mangeables. En route vers Cocrelus. Ouais, j'aime pas ça, la chicane. Ouais, mais quand y'a de l'amour, y'a de la chicane. Quand t'as ben du cash, ben, y'a pas de chicane. C'est toi le patron, pis y'a pas de problème. Mieux vaut avoir de l'argent. Moi pis les enfants, on a une proposition à vous faire. Le Père Noël a dit qu'on allait être riche et heureux. Oh, pas encore. Là, t'es en train de nous dire que nous contrôlerons tout le marché de Noël. Là, tu crois au Père Noël? Ben non, tu vas prendre le marché de ta planète. Pis moi, ben, je garde la grosse poche, évidemment. Ma planète à moi, il veut vendre ses cochonneries, le gros rouge qui tâche sur ma planète, je le laisserai pas faire. Moi, te l'a grippé, puis moi, il fait sa fête, moi, ce gros-là. OK, mes veines, là. Production, produit, on produit plus vite que ça. Production! Cré Patchouli. Il l'a jamais eu, l'affaire. Ah, à cause de lui, je fais 25% de plus. Merci, le poteux. Loser. Hein? Hey, toi, t'as vendu ton âme au cash. Toi, là, pis le gros, là, qui fait des ho, 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 vous pensez juste à votre poche. Va donc frencher un arbre, mot t'a dit hippie. Tiens! Les nains, les antennes.
Là, je te pogne en train de fumer dans un vaisseau non-fumeur. T'es dans marde. Hey, du calme, le séchoir. C'est une pipe à balloon. Varadero Santa Claus. Allez-y, les enfants. Allez, retourne dans ta commune. Maudit hippie. Envoie-moi ces granola au grenier. Vous pouvez pas enfermer l'amour. Merci, Santa Claus, d'avoir pris mon mari comme partenaire. Merci pour l'opportunité, patron. Ouais, c'est une bonne affaire, mais oublie pas de payer ta commission, Père Noël. Ça fait un traîneau. Qui c'est qui veut un pichet de crème de menthe verte pour fêter ça? Ouais! Et oublie pas la coquerelle, c'est toi qui paye. Party! Joyeux Noël!